Down, 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 down. Hey, bonsoir à tous, bienvenue sur Black Live, le live où on fait du catch-win. Avec le caleçon. Comme promis. Je l'ai retrouvé. On est full équipé et on commence la soirée. Directement dans le bar. Sheep in the field of life too, you know. Now that's Vincent. Cheating twice? He's really gone astray. I never thought you'd be one to cheat in the first place. Da, da, I can't believe myself either. I guess it's checkmate for you, pal. People are free to have whatever kind of relationship they want, but you've been with Catherine so long that it's probably time. Congrats on having a kid. Let's do something to celebrate. It's not for sure yet. She said... Well, she wouldn't tell you unless she was really sure. You're gonna do the right thing, right? I know. What are you upset over? Heck, I want to get married soon. You want to meet my parents and ask about how they got married? I go back home and drink some strawberry milk, kid. Come on, why you gotta go there? You got a mail. Et ça lui va bien. Hey, salut Shiloh. Comment est-ce que mal à la gorge. Faut te soigner, ma chichi. C'est important. Plus que tout le reste. Check. I can't even afford a down payment. And boy, do I have a deal for you. I'd rather put all of my savings into lottery tickets than invest in one of your crazy schemes. J'ai un caleçon sur la tête. Du coup, je suis pas sûr qu'on puisse dire que je vais bien. When you have a lot of things to do, do you write them down on a piece of paper? When you have lots of things to do, do you just remember them? This one? I think Mr. Morgan would say the same thing. 20 years ago, Mr. Morgan picked up a ball for me at the tennis court. 20 years ago, Mr. Morgan worked in an ice cream shop to pay his tuition. Mr. Morgan likes vanilla ice cream. Mr. Morgan likes pouring maple syrup on vanilla ice cream. Oh. The cheese stretches. It is 5 days until the time. What are you talking about? My phone. Hello? Shit, her. What do you mean, oh shit? Oh yeah, were you at the cafe near your place around lunchtime? Well, I can't really tell you that. Huh? What do you mean you can't tell me? Well... Later? Wait! Is she okay?
Non, on va aller voir Rin. Pas faux. I guess people care a lot if their lover's a boy or a girl. You said it doesn't matter to you, right? It's pretty open-minded. The heart knows no bounds. Wow, you really make me think about things. Maybe the only thing stopping us is ourselves. The food's gotten better here lately, don't you think? All depends on who's in the kitchen. Whatever. I know, I'm a terrible cook. Anyway, I found this great restaurant the other day. The chef's a little odd, but his food is to die for. So, we decided to buy our dishes from there. We just heat it up, and it's good to go. Boss used to do the cooking, but he's got a bad hip these days. Well, I'll keep that in mind next time I eat here. Have you heard about the witch? They say she's behind all these deaths. Didn't hear, didn't care. They say she can't die. Oh, lucky her. They say she doesn't age either. Oh, but yep, old age is gonna suck. Huh? Oh, you know, arthritis and all that. Ouais, l'arthrite. Which do you think are more pitiful, men or women? One? I see. You're in the minority. When asked whether they'd like to return as a man or woman in the next life, the majority of people say they'd prefer to be a woman. Some scientists have even predicted that men will become extinct. It's the truth. Extinct? Apparently the Y chromosome is quite useless compared to the X chromosome, so it's possible. And what'll happen to the human race if men go extinct? Maybe there'll be a system where women can fertilize each other and bear children. Men try just as hard to live their lives, too. Isn't nature harsh? But on the whole, I think women have it harder. Being manipulated by stupid guys, being ground down by life. I did something I shouldn't have. What are you talking about? It is the cross I must bear. Notre pote journaliste. He was extremely loose with his relationships with women. I heard his funeral got stopped because women were fighting each other. Oh. Well, you can't talk about it like you're unrelated to it. This lovely couple is Daniel and Anna. Huh? Vince? Vincent Brooks? What? Do I know you? It's me, Daniel. We went to elementary school together. Oh. What? You don't remember me? Oh, so you're Vincent. You're different from what I imagined. Don't say that. You see, Vincent, I'm different from back then. I'm not the one tagging along. Now I'm the leader. I'm the heir to a successful business. A business heir, huh? Because of that. Wait, I heard your voice somewhere. Was it yesterday? Think of it. Maybe I had some premonition of our meeting today. Anyway, I can't believe you don't remember me, man. I'm sorry. You got a mail. Tu es encore au straight ship? Tu es chaque char en ce moment, non? Je croyais que tu étais barbouillé aujourd'hui. Pourquoi tu continues à boire? Je t'en prie, prends soin de toi. Je ne vis plus seulement pour toi. You got a mail.
Moi, je veux pas la blonde, moi. Je veux Rin. Merde. Le temps est passé. Mes potes sont peut-être partis. Bien sûr que je suis un fanboy, mec. Je me cache pas. J'ai pas honte d'être un fanboy de Catherine. Le jeu est sorti à une époque où je jouais surtout à des RPG. Je l'ai attendu longtemps, un puzzle game avec une vraie histoire, une histoire adulte, un petit peu tirée par les cheveux certes, mais une très bonne histoire. Ah non, le premier il est très très vieux. Hein. Il a bien... Pouh. Ah, il est sorti il y a 5-6 ans je crois. Ah, en fait, le full body est sorti il y a une semaine à peu près. C'est une relecture du premier jeu avec des éléments supplémentaires en fait. Mais techniquement, le jeu de base, lui, est sorti il y a quelques années. En fait, il y a son travail aussi, mais c'est des éléments qu'ils ont passés en fait. Tu vois les éléments courants de sa vie où il rencontre ses potes, où il discute avec des gens et où il se retrouve dans la merde. Ah, les loot intermédiaires. Le petit bleu qui te dure 3-4 levels. Ah, un familier, d'accord. Ouais, c'est que c'était pas à mon époque. Ah oui, forcément. Mais
Merde, j'ai loupé les... Ouais, je sais, ouais, c'est les chats, les trucs comme ça. De toute façon, avant le niveau max, en général, l'équipement dure pas assez longtemps pour être vraiment intéressant. Même si t'as toujours tes petits chouchous, surtout au niveau de la présentation. Baisse un peu le prix. Si tout le monde le met à 40, mets-le à 35. De toute façon, 35 PO, c'est déjà une belle somme. Après, faut avoir du temps. Et pourquoi il se laisse faire ce coup? J'adore les têtes. Changed at all, though. You're always hanging out together. I had to laugh when I heard you started working at the same place Orlando does. Well, so what? It was the only place hiring. I'm jealous. What? In the end, you're hanging out with us here, too. Ah bah, si tu peux lier l'utile à l'agréable sur WoW, ça peut être pas mal. De toute façon, de l'argent, tu vas en avoir besoin à haut niveau, donc. Your memory drinking? Oh, did you? Yeah, I have when I was young, especially when I was in my 30s. I started to blank out on amounts I used to be able to handle in my 20s, and then I'd wake up lying next to a complete stranger. Ah, so it has happened. I'm in a complete stranger's house. That hasn't happened to me. I'm at the police station, stark naked, right? The nakedness of woman is the work of God. To misappropriate the musings of a certain someone. In front of God's work of art, it's only natural that your faculties are preoccupied. Well, just don't worry about it. I guess...
censé représenter des drapeaux, mais je t'avoue que c'est un peu petit sur mon écran. N'hésite pas à taper Erika et Catherine sur Google, tu vas avoir des surprises. Alors, comment on va faire ça? Le mieux c'est d'en tirer 2, 3. Castlevania. Non, c'est Rapunzel. C'est réponse. C'est même super Rapunzel. Sur borne d'arcade, évidemment. Ça va être chaud, ça. Ça va être chaud. On fait ça. Tac. Fais ça, ça, hop, pour monter, fais ça, 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 on a résolu l'énigme. Il y a un truc comme 64 niveaux quand même, hein. Ou même plus, je sais plus.
tellement chaleur le héros. C'est pas bien de parler comme ça, Shiloh. Je peux pas le prouver. C'est pas vrai, il lui fait des bisous gentiment comme un garçon bien élevé. Vous êtes tous des vilains. Tu commences demain. Ah, il est 80 000. Du coup, t'as réussi à stabiliser tes tournées ou t'es toujours en train de chercher the best course ever? Réponse, réponse, ma très chère. Échanger pour quelques denrées, maraîchère. Il me faut vous poser la question, d'où vient votre singulier prénom? La réponse après laquelle je fus nommé fut arrachée au même potager qui ravit à mes parents leur dignité. Des réponses furent récoltées par mon père dans le potager. Pour lui rappeler son péché, c'est ainsi qu'on m'a nommé.
C'est cool. Enfin, moi, je trouve ça cool, en tout cas. C'est pas parfait, mais c'est cool. Bon, il va falloir réfléchir. Si tant est que t'en sois encore capable, Paka. Ce jeu, c'est pas que ce mini-jeu, j'ai un doute. Non, alors c'est pas que ce mini-jeu. T'as des vraies courses avec des cubes et tout, bien plus compliqué que cela. Et avec un timing en fait. Parce que t'as un ennemi qui te poursuit et t'as le terrain qui s'écroule en temps normal. Sachant que là, le jeu, je le fais en facile. Donc en plus, j'ai pas la difficulté la plus. La plus incroyable du cul. Du coup, il n'y a pas d'autre gameplay. Non, non, le jeu est un jeu d'énigmes basé sur le déplacement de cubes. Hein. Par contre, le jeu n'est pas ce mini-jeu-là. Il est sûrement plus joli, quand même. Et t'as un mode de joueur où tu dois t'assister, faire des routes à deux et tout. C'est assez sympa. De pas te bloquer. Et il y a un gros mode histoire. Moi, j'aime beaucoup le mode histoire, en fait, aussi. Je joue à des RPG pour l'histoire, hein, depuis des années. Je l'ai jamais caché. Je voulais cacher. C'est possible avec moi, mais...
Bon, alors là, ça va être la partie compliquée. Faut pas faire tomber le gros cube jaune. Et pourtant, il faut l'atteindre. Faut qu'on réussisse à garder une base. Back alive. On a fait, il y a 64 niveaux, hein, donc on en a fait 16. On est proche du zéro. Quoi. réponse, ainsi nommée, comme la plante cueillie dans le péché. Pourquoi est-ce que cette sorcière vous garde dans sa tour prisonnière? Tous ces murs et toutes ces pierres gardent sa plantation potagère. Elle ne s'inquiète guère si elle me laisse solitaire. C'est un vrai conte, hein, réponse. C'est pas juste le Walt Disney qui nous en sortit il y a quelques années. Hein. Oubliez-le. Je me demande si c'est pas les blocs de glace. Hein. Tu sais que pour certains gens, Walt Disney c'est sacré, hein. Ah, on peut pas les déplacer, d'accord. Ouais, mais après je peux plus faire ça. Me suis-je bloqué moi-même?
Borderlands. Là, le seul jeu que j'attends actuellement, c'est Borderlands. Pour cette année, il n'y a plus grand chose. En RPG, il y a Pokémon qui va sortir. Ah oui, je vais le faire Pokémon, ouais. Certainement en live, ouais, au moins une grosse partie. Je sais pas si on fera tout, mais on fera une bonne partie en live. Alors moi j'avoue que j'attends pas Splatoon, mais après c'est pas mon type de jeu. Pas bien parti. Ah mais j'ai bien compris que tu comptais me tromper avec Ishine, hein, c'est bon. Je t'en veux un petit peu, mais pas beaucoup. Thank you.
Pourquoi je prends pas le chemin facile en même temps? Et il y aura certainement Kaz aussi sur Pokémon, même si sa connexion est tellement foireuse que voilà. De toute façon, pour l'instant, le Nintendo Online, je l'ai pas pris, et je sais pas si je le prendrai. Ça dépendra vraiment de ce que offre Pokémon en multi, en fait. Ta ta ta. T'as l'air confiant, hein. Moi, je pense que ça dépendra principalement de la politique de YouTube vis-à-vis des VOD, en fait. Bah, si YouTube fait chier ou pas les streamers avec leur VOD. Parce que la plupart se font aussi des sous grâce au VOD. Et Nintendo Strike. C'est genre un sport national chez eux. Ah oui, oui, oui. Thank you.
Ah, imagine pour moi. On me transforme en ogre, moi, dans pas longtemps. C'est bizarre que personne m'ait dit, c'est bizarre, bah Kat a un caleçon sur la tête quand même. Je tiens à le dire. Vous êtes des chelous. C'est nous les chelous. Le mec porte un caleçon sur la tête et c'est nous qui sommes bizarres. Ah bah bon. Faut que je stabilise une base en fait. On veut l'histoire, nous. Du cul qu'il n'y a pas. Ah, vous avez raison. Ça dépasse mes compétences intellectuelles ce soir. Le mini-jeu, ah ouais, le mini-jeu est totalement optionnel. What do you want to do today? I have something to... What? Hey, are you going home? C'est pour t'entraîner, mais comme je suis en facile, j'ai pas tellement besoin. Une deuxième partie en normal où on fera un full fils de pute. J'aime bien le full fils de pute, j'avoue que c'est marrant. Alors non, techniquement je l'ai fini que trois fois le jeu. Et déjà dans la première version il y avait 8 fins différentes. Non, non, c'est pas le vrai nom. We'll just have to split
housework, okay? You can't throw your clothes everywhere anymore. And all your late-night drinking isn't cheap, you know. So I'll be handling all our bank accounts. Ah, ils peuvent aller très loin avec eux. Rien n'est impossible.